biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Ang biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Ang biddy bang bang biddy bang bang biddy bang. Tu as besoin de crédit FUT? Je te conseille de check le lien dans la description avec le code promo AXOSKILL, tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande. La livraison de tes crédits se fera entre 5 et 30 minutes selon les stocks disponibles. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous passez un très bon week-end. Bah écoutez, pour ma part, tout va impeccable et en ce samedi, on se retrouve pour une nouvelle série sur ma chaîne. Alors c'est pas forcément une nouvelle série à part entière, en fait c'est plus un retour aux sources les gars. C'est plus un retour aux sources, et quand je dis un retour aux sources, c'est une série 100% skill, où là, le but, ça sera vraiment uniquement de bien jouer, et en fait, à la fin de cette série, de faire une compile de buts, donc uniquement du beau jeu, un petit peu à l'ancienne, hein, à l'époque de FUT 13, encore sur FUT 14, ça s'était un petit peu égaré, j'avais un petit peu, on va dire que j'étais plus dans le skill efficace, et là, c'est vraiment que du beau jeu, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Ça manquait un petit peu à la chaîne, voilà, il faut pas oublier les bases, hein, un retour aux sources, c'est comme ça que j'ai fait entre guillemets un nom sur YouTube, hein, sans parler d'être célèbre, hein, loin de là. Mais c'est vraiment ce qui m'a fait connaître sur YouTube dans le monde de FIFA. Et du coup, c'est pour ça que c'est avec plaisir que je vous propose cette série. Dans un premier temps, ça sera du différé. Dans un second temps, pourquoi pas en live. Hein, après ça, c'est à vous de me dire, les gars, dans les commentaires, si vous préférez en live ou si vous préférez en différé. Je vous le dis clairement, les gars, j'ai vraiment pris du plaisir à jouer. Ça fait plaisir un petit peu, voilà, du retour aux sources. Après, le score, on s'en fout. Là, vraiment, l'objectif primaire, c'est le beau jeu. Et j'espère que cette série vous plaît. N'hésitez pas à me donner des idées aussi, hein, les gars, hein, dans les commentaires, si vous avez des idées pour cette série, pour la bonifier, pour que ça soit plus plaisant à regarder. Et aussi, il faudra que je change d'équipe. Hein, je vous proposerai des équipes durant ces épisodes. Donc là, pour ce premier épisode, une équipe 100% Brésil. Une équipe taillée vraiment pour la série. Hein, voilà, des joueurs brésiliens techniques. C'est vraiment les joueurs par excellence. Avec des joueurs comme Neymar, comme Ronaldinho aussi, que je ferai rentrer, il me semble, dans le deuxième épisode. Que j'ai un petit peu commencé à tourner. J'ai fait un ou deux matchs. Vraiment 100% plaisir et je me suis vraiment régalé. Franchement, c'est vraiment là que je prends du plaisir à jouer, hein, à jouer en skill, voilà, tout simplement. Et j'espère vraiment que ça vous plaît. Donc, deuxième match, les gars, de cet épisode. Un deuxième match, on va tomber contre une équipe en 4-3-3, faux numéro 9. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une petite équipe à vous proposer en 4-3-3, faux numéro 9. Donc, je pense que je vous la proposerai demain, les gars. Une équipe avec un nouveau joueur TOTS, donc je vous en dis pas plus. Et là, le mec en face avait placé Schneider en faux numéro 9. Donc, pourquoi pas. Une belle équipe, hein, une équipe hollandaise avec de très bons joueurs. Et regardez, ça a bien commencé pour nous. Là, cette action, vraiment, j'ai abusé. J'aurais pu tirer moins fort. Là, la barre, malheureusement, qui permet au ballon de sortir. C'est vraiment dommage. Là, on va trouver Neymar. On va tenter quelques gestes techniques. La grosse reprise de volée. Vraiment que du beau jeu, que du beau jeu. Moi-même, ça m'étonne. C'est vrai que j'avais tendance à oublier les bases. Et en fait, voilà, faut vraiment jouer son jeu. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pris du plaisir. Hein. Franchement, j'ai même pas ragé pendant la session de jeu, c'est vous dire. D'habitude, j'ai tendance à vraiment m'agacer après ce jeu. Et en fait, non, ça sert à rien. Autant prendre du plaisir et vraiment jouer son jeu. Regardez ici la grosse frappe qui termine sa course au fond du filet. Ça fait vraiment deux beaux buts, hein, pour le moment. Et vraiment, les matchs se suivaient en plus, donc c'était là que c'était vraiment kiffant. Ici, on va trouver Douglas Costa, la feinte, le coup du crapaud, c'est contré par l'adversaire. Ici, on va trouver Kelvin, là, ça va régaler les gars, les passements de jambes. On va trouver Neymar, on se la lève, la reprise de volée, ça rentre. Vraiment magnifique, ce qui nous permet de doubler la mise, hein, de toute beauté, et de prendre les devants dans ce match. Après, voilà, hein. Comme je disais, le score, c'est anecdotique. Même si c'est vrai que c'est toujours plus kiffant de gagner ces matchs. Mais on va vraiment chercher avant tout à clipper. Là, je vais centrer en retrait. J'ai voulu tenter une talonnade ou quelque chose du genre. Malheureusement, ça va être... Malheureusement, entre guillemets, voilà, ça fait but. Après, c'est pas forcément ce que je cherchais en termes de clip. Mais bon, ça fait quand même 3-0. Et puis, ça va s'arrêter là. Hein. 3-0, une victoire. Voilà, une victoire avec quand même deux buts plutôt stylés. Donc ça sera à voir. N'hésitez pas d'ailleurs, les gars, à me dire dans les commentaires... Le but qui vous a le plus plu, l'épisode n'est pas fini, hein, soyez présents jusqu'au dernier match, puisqu'il va rester quand même encore du beau jeu. Troisième match, on va tomber contre une équipe skill, ça fait plaisir, du Shifty devant, du Mackay Steven, du El Younoussi, et du, alors l'attaquant droit, je ne sais pas du tout qui c'est, je crois qu'il a 4 étoiles en geste technique, mais je ne connais pas du tout son nom.
Et ce match, il va être très beau. Franchement, on va se régaler. Même état d'esprit. Douglas Costa sur le côté droit. On va effectuer quelques gestes techniques. Et on va essayer de repiquer dans l'axe. Là, le geste technique que j'aurais vraiment pas l'habitude de. J'ai pas l'habitude de le faire en fait. Et franchement, ça sort tout seul. C'est vraiment avec plaisir. Là, regardez. La virgule en l'air, la frappe de Kelvin. Ça, c'est des trucs que je vous propose pas forcément. Que je vous propose pas forcément dans mes vidéos actuelles. C'est plus de l'efficacité avant tout, les gestes d'usage, j'appelle ça. Et vraiment, l'avantage de cette série, c'est que je vais vraiment tenter énormément de choses. Hein. Et puis, comme je vous le disais, proposez-moi des défis. Si vous voulez que je marque un but, je sais pas, moi, en coup du foulard. Si vous voulez que je marque un but de n'importe quelle manière, dites-le moi dans les commentaires, les gars. Regardez ici sur cette action. On va marquer également un beau but. 67e minute de jeu. Quatrième beau but de l'épisode. Ça va très vite. Ça fait plaisir. En plus, le niveau va revenir, les gars. C'est ça qui est bien aussi. C'est que là, je vous propose ce premier épisode. Je vais pas dire que je suis rouillé, loin de là. Mais je sens qu'en jouant technique de plus en plus, je peux m'améliorer. Le niveau peut revenir, entre guillemets. Après, je dis pas que j'ai perdu non plus 100% de mon niveau. Mais voilà, à force de jouer avec toujours les mêmes gestes techniques, forcément les gestes techniques les plus difficiles, tu galères à les sortir. Et du coup, avec l'habitude, ça va revenir. Regardez ici Kelvin, on va effectuer quelques gestes techniques. La frappe sur la transversale. C'est dommage, ça aurait pu être pas mal. Et du coup, c'est ainsi que va s'achever cet épisode, les gars. En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas, les gars, dans les commentaires, à me donner des idées pour cette série, à me donner vos idées, à me donner ce qui pourrait améliorer la série, des défis, des équipes, hein, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Et puis moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.